Bonjour, c'est Clément Chabert au magasin du Haut Vieux Campeur à Albertville. Suite à la demande de l'un de nos clients, je vais vous montrer dans cette vidéo la manipulation qui permet sur la montre GPS Polar Pacer Pro de paramétrer la fonction suivi de la fréquence cardiaque. Comme vous allez pouvoir le constater, la manœuvre est très rapide à effectuer. Depuis l'écran principal de votre montre, où vous avez l'heure et où vous avez la date, on vient appuyer sur le bouton bas côté gauche de votre montre pour rentrer dans la liste des menus de votre pacer. Ensuite, avec le bouton haut côté droit et le bouton bas côté droit, on va venir chercher la rubrique Réglages. On rentre dans la rubrique Réglages avec le bouton du milieu côté droit. On valide l'entité Réglages généraux et on vient se mettre sur la sous-rubrique Suivi de la fréquence cardiaque en continu. Alors là, pour faire un bref petit aparté, on parle bien du suivi de la fréquence cardiaque en mode non GPS. Si vous voulez paramétrer les fonctions de suivi de la fréquence cardiaque lors d'une activité physique et lors d'un enregistrement GPS, ça se passe à un autre endroit dans la montre. Là, ce qu'on va régler, c'est le suivi de la fréquence cardiaque au quotidien. Donc, quand vous portez par exemple votre montre dans les transports, lorsque vous portez votre montre au boulot, lorsque vous dormez, là, on est bien hein, en mode non GPS. Alors, au niveau de la fonction suivie de la fréquence cardiaque en continu, vous avez trois réglages possibles. Le premier réglage possible, ben, c'est le réglage désactivé. Alors là, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que le suivi de votre fréquence cardiaque est désactivé. Donc là, comme vous pouvez le constater, le capteur optique de ma montre ne fonctionne pas. Le capteur optique de ma montre est désactivé. Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est que ma montre va gagner au niveau de l'autonomie de sa batterie. Mais par contre, hein, je n'ai pas accès à ma fréquence cardiaque en instantané et je n'ai pas d'enregistrement au niveau de ma fréquence cardio. Si je veux activer le suivi de ma fréquence cardiaque, j'ai simplement à venir sur l'encart activer. Et là, le suivi de ma fréquence cardiaque s'active. Comme vous pouvez le constater, le capteur optique de ma montre s'allume, ce qui signifie que je vais pouvoir avoir en instantané ma fréquence cardio et que ma montre va enregistrer de jour comme de nuit ma fréquence cardiaque. Le troisième réglage possible, eh ben, c'est tout simplement d'activer le suivi de la fréquence cardiaque uniquement la nuit. Alors là, ce qui est très pratique, c'est que Polar vous demande l'heure à laquelle vous vous couchez approximativement. Donc, moi, ben, on va mettre par exemple 23h30. Et là, hein, ben, à partir de 23h30, le capteur optique de ma montre va se rallumer. Et du coup, j'aurai le matin, quand je vais me lever, j'aurai l'analyse et les données de mon sommeil parce que ma montre aura enregistré ma fréquence cardio lors de ma nuit. Voilà, donc vous voyez, hein, le réglage est assez facile à effectuer. Vous avez trois options possibles, soit la nuit, soit on active la fréquence cardio, soit on désactive le suivi de la fréquence cardio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail librairie.albertville@auvieuxcampeur.fr ou n'hésitez pas à venir me voir au magasin du Vieux Campeur d'Albertville où je travaille. Salut et à bientôt!